Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc en compagnie de Kylian. Salut tout le monde. Donc, et surtout en compagnie de la team Iratus. Alors la team Iratus, donc on se retrouve aujourd'hui pour le début d'une nouvelle série. Alors cette nouvelle série, ça va être comment débuff les boss de Free Ghost. Exactement. Donc tout d'abord on se retrouve avec le donjon numéro 1, celui qui est très souvent fait par les bas level pour XP. Donc le Royal Moot. Et oui, ce légendaire Royal Moot qui fait chier bien plusieurs. Bien des bas level qui veulent le passer tout simplement pour Pex ou pour prendre des succès. Quelques niveaux, ça fait toujours plaisir. Il se trouve ici un peu en dessus de la ville de Free Ghost, très accessible je trouve. Tout à fait, donc c'est un donjon niveau 120 environ. Ouais. C'est ça. C'est accessible, c'est gérable. Mais bon, faut quand même un heal et de la protection au niveau 120, je pense, parce qu'il y a quand même une bonne force de frappe, puis il faut le debuff, donc pour les bas niveaux, c'est pas toujours pratique, sachant qu'il y a les faiblesses du bouffon de guerre aussi qui viennent en jeu. Alors donc, pour les succès, donc là, c'est un Royal Moot, leur main propre, donc main propre, c'est tuer donc, avec des dommages indirects, c'est-à-dire glyphes, pièges, poison. Exact. Et premier. Et invoque aussi. Et premier, donc le buteur en premier. Bon ben je vous propose qu'on commence le donjon. On va vous montrer comment débuff ce boss. Donc c'est pour les novices qui commencent à jouer ou qui tout simplement veulent se rappeler la méthode. On va faire ça à peu près pour tous les boss de Free Ghost. Enfin on espère pouvoir mettre nos talents à disposition. Enfin nos talents, rien de prétentieux hein. Notre expérience à disposition, parce que comme nous tous on a commencé bas niveau nous aussi, donc on aurait bien aimé que quelqu'un nous explique, parce qu'arriver dans un donjon, tu sais pas comment tu débuffes le boss, c'est un peu dur de gérer en fait. Exactement. Voilà. Donc nous on le fait en donjon modulaire, c'est-à-dire à 4 personnages. C'est pas que c'est plus dur à lui, enfin pour nous ça va. Non, mais c'est surtout c'est plus rapide. Surtout que c'est plus rapide, et ce qui vous intéresse, je suppose que c'est le debuff. Attends, moi je vais commencer à. Reviens pour les PA. Ouais t'inquiète. Il a quand même peu de résist, tu fais chier. Alors Lenny qui commence plus avant. 23%. À cause de la pierre. Ah oui, donc Lenny a équipé une pierre d'âme. Donc ça nous prive d'un corps à corps, surtout Lenny, on est très fiers de lui quand même, c'est un très bon personnage je trouve. Tu peux pousser le ouais, s'il te plaît, avec une je sais pas, une fédération. Bon, ouais. Direct à taper. Ouais. Allez, alors bon, alors le debuff, on le pousse. Fais-lui des... je sais pas, fais-lui... attaque-le. Nickel. Voilà, le debuff, on le pousse, il gagne 4 PM. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que je veux dire, oui. Alors il y a quand même... un petit piège. Je vais l'expliquer. Alors en fait, donc pour debuff ce boss, il faut le pousser, donc une, deux, trois ou quatre cases, on s'en fout, faut juste le pousser. Le seul bémol, c'est qu'il ne faut jamais le pousser contre un obstacle, donc à retenir, pas contre un mur, pas contre un monstre, pas contre des invoques, pas contre des personnes invisibles. Il ne doit pas recevoir, en fait, si vous voulez, vous devez pas lui faire de dopou en gros. Voilà. Si il va, si des dopous vont lui être occasionnés en fait, il va OS en ligne. Sur ces 4 lignes autour de lui. Donc tu sais quoi, je vais mettre les boubons. Vas-y. J'ai mis la prévo SRAM hein, si tu veux aller rush. Ok, je vais aller l'exploser en fait. Je sais pour ça, hein, je compte sur toi. Ouh la belle zone. Ouais, plutôt pas mal. Donc. Bon, donjon relativement simple, hein. C'est le premier Free Ghost. Ouais, level. Allez, si vous êtes level 120, avec une team de 5 level 120, je pense que ça peut passer. 5 level 120. Même ouais, ça devrait passer. Même sans être trop opti. Oula. Petit zen pour vraiment. Tu voulais pas faire le Remount? Ah si, mais bon, tant qu'on... enfin, en profiter, on en profite. Hein. Donc, 4 PA... Bon, je vais faire une petite AM, ça pourrait être sympa. Et vas-y. Allez, on va. J'ai tenté d'Agoulême. Allez, donc, lui, il est bientôt mort.
Ouais, 2 kills en un tour, ça peut être toujours sympa. Donc, ouais, bah, tu vois, voilà, j'ai Rox. Voilà. Donc, ouais, je le débuff. Donc, ouais, pousser. Donc, là, il va pousser en diagonale. Vous voyez, avec une félation. Donc là, il va ne va pas prendre de dommages obstacles. Je le débuff en diagonale. Attends, je vais tuer lui, vite fait. Donc, là, pour débuff, vous voyez, si je m'étais mis en ligne, je pourrais très bien me mettre en ligne en donnant un PM de plus. Sauf que ça me tuerait. En gros. Imaginez donc que les cas soient ici. Du coup, je vais le débuff en diagonale. Voilà. Mieux encore. Les cas, il est ici. Ok. Il veut le débuff. Il fait un destin des cas flip. Bah, ça pousse de 4 cases. Du coup, le boss va être bloqué ici. Et il va OS sur toute la ligne. Donc, les cas qui est là, bah, il est sur cette ligne. Du coup, il va être explosé. Et tous ceux qui seront sur cette ligne également seront OS. Donc, c'est pas super sympa. Bon, après, faut juste s'en rappeler. Hein, voilà, admirer ce Rox. Bah, t'es pas boost, je crois. Non, je suis pas boost. Bah, booste-toi, non. Enfin, ça sert à rien de. Non, on a... non, ça sera un style truc à la fin. Ouais, ouais, tu sais, voilà. T'as le temps de. Ouais. Je pense t'as le temps comme ça. Ouais, ah, ouais, de toute façon, t'as pas. Ouais, enfin, je suis pas mon cas, de toute façon. Ouais, c'est vrai. Moi, attends, je réfléchis. Bah, au pire, va sur le légendaire. Ouais, c'est ce que je vais faire, je pense. Bah, du coup, je passe en mode Rox. Donc, t'arrives encore à la voile. On tient à préciser donc les K-Flip, le CK sont full assassin. Ouais. On a un autre personnage aussi, un SRAM aussi qui est aussi full assassin. Ouais, un deuxième SRAM, ouais, mais qui n'est pas un donjon. Donc, on a voulu faire au modulaire. Hein. Comme on l'a précisé plus tôt. Donc, là, il va. Ah non, même pas. Ok. Allez, vas-y, tu le Royamout. Tu le, allez. J'ai combien de P, attends. C'est parfait ça. Tu le tues, tu te débrouilles mais tu le tues. Repérage couramment, tu vas faire. Exactement. Ah, on joue pareil. Ouais, c'est pour ça que c'est si dur de faire un défi avec son co-teamer. C'est horrible. Allez, hop là. Bon bah c'est déjà pas mal, en plus ça a pris un peu d'érosion aussi. Oui. Ah oui, le Royal Moon se régène aussi quand il nous frappe, c'est un peu comme une disso. Ah alors là mince, je pourrais le débuff là, sauf que si je le débuff ici, je cogne contre le mur et il tuera le SRAM. Voilà, exactement. Un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc et en fait, tu peux le débuff que. Je le débuff avec Glenny. Avec Glenny, je le débufferai. Ou au pire, tu vas ici. Ouais, si tu veux. Je t'ai donné un PM de trop, c'est pas grave. Oui, non, parce qu'à la base, je voulais pas faire ça. Je le débuff avec une fellation. Ouais. Ou un. Vas-y. Ouais, une fellation, allez. Si ça n'a pas d'importance, hein. Là, le. Alors, le Rox de débuff ne comptera pas. Vas-y, tape, je fais n'importe quoi. Oh là là, il y a Putain. Ah, je fais le temps de faire mon buff. Ouais, et là, bah, c'est des glyphes, hein. Les glyphes des FK, en fait, à chaque fois qu'on entre, qu'on en sort, ça te fait arrêter et tout. C'est vraiment. Ouais, c'est une horreur. Oui, horrible. Alors, lui, on va le tuer. Peut-être pas, en fait. Ah, ça m'énerve de pas avoir la baguette. Ouais, tu Rox, énormément moins ça. Bah, juste. Faut dire que la baguette elle peut monter à 500 en critique quoi. Donc, Ouais, faudra que tu me laisses capturer. Hein. Bah, là, de toute façon, je peux pas faire grand chose. Lui, j'ai pas mon ligne. Putain, en plus, lui. Oh, ce RAM là qui est noob, c'est même pas se placer. Ouais, en plus, je me trompe de mob, ça va pas le faire, je pense. Okay. Tu es avec le SRAM combien il a de vie? 1200. J'ai encore mes PA. T'as 12 PA toi. Allez, on y croit. On y croit. Bon, il y a beaucoup de résist, mais bon. Ouais, je. Ça battra pas. Si. 33% terre et 48% air. Ça passe. Ça passe quand même. J'ai encore 300 dégâts à faire, je pense. Bah, je vais laisser les mines. Ouais, 250, je crois. Donc, vas-y, je te laisse. Bah, même pas besoin d'altrui en fait. Hein. Bon, c'est... Oui, mais faut... dans ce cas, faut. Ah oui, faut capturer, exact. Ça, donc, on peut tuer si je veux faire un autre. Donc, on va faire. Ouais, on espérera. On espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Donc, on vous a appris comment à debuff ce boss. N'oubliez pas, ne pas le pousser contre un mur. Sinon vous avez une grande chance de perdre. Non. Chaton. Tant pis. C'était obligé. C'est ça. Voilà, bon, ah, vous n'étiez pas trop au courant qu'on voulait capturer. Hein.
Oui, je savais pas, j'avais pas dit. Voilà un petit combat de 7 minutes, très rapide. On essaye de faire des vidéos courtes, même si on parle un peu au début. Ouais. Donc, prochaine étape, comment on débuff le Mans Royal. A bientôt. A plus tout le monde.